Hey, salut tout le monde, ça c'est les poches, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur GTA 5 pour ce troisième épisode de DLC Caillou Perico. Donc aujourd'hui, on va faire la deuxième mission de celle de... Ah, inscrivez-vous, ah, il faut que je m'inscris. Ok, d'accord. Bon, je vais mettre en sécurité. C'est parti. Okay, so this is the master planning screen, central hub of the whole operation. Everything you photograph on the island will be displayed here. Infiltration points, exfiltration points, tools, disguises, stashes of money, stashes of other things. You select item on the left. It will be shown in its place on the map. Alors, appuyez sur tiens pour accéder à des informations supplémentaires sur les missions et sur les conséquences que celle-ci peut avoir sur le braquage du Caillou Perico. Ok, bon, point de sortie. Donc, on a trois points de sortie. Point d'infiltration. Il y en a trois aussi. Ok, donc j'ai déjà accédé à tous ces éléments, mais pas la totalité. Objectif. Est-ce que je peux cliquer? Argent, cannabis, or. Ah, donc je peux braquer dès maintenant alors. Ce que je veux, c'est. Allez, or. Objectif secondaire, repérer or. Ok. Est-ce que je peux aller sur la carte? Non, je peux rien faire. Piste d'atterrissage, ok. Chute opérationnelle, plage ouest, ok. So, capitaine, you want to steal an aircraft capable of high altitude troop infiltration over Caribbean island loaded with anti-aircraft defenses? The good news is, it can be done. The bad news, the kind of people who have this aircraft are serious about security. So serious, they keep it at military fort. I suggest you tread softly. Ah, je me fais attaquer. Ça c'est fait. Il voulait m'attaquer alors. Je l'ai servi. Hein. Allez, je suis présent. Je pense qu'il faut que je vole l'hydra ou. Moi je pense qu'il faut que je vole un hydra. Alors, je suis sur place, mais... Ah, ok. Donc, je rentre par là. J'espère que je peux m'enfuir après. Je sens que ça va être chaud. Wow, il n'y a pas d'endroit. By my reading, you're inside. Good. Now you have to unlock main doors. Check for control terminal somewhere. Ok, il faut que je trouve l'ordinateur portable, mais parmi tout ça, comment je vais faire? Silencieux, est-ce que j'ai des silencieux? J'ai pas de silencieux. Torche, silencieux, ok. Du coup, il faut que j'avance tout doucement. Et que je monte ou pas? Ça va être chaud, cette mission, moi, j'imagine. Hein, parce que là, déjà, pour aller trouver l'ordinateur, il faut rentrer carrément dans les camps militaires.
Mais bon, après, c'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois du tout qu'on fait ça. Mais là, c'est plus risqué encore parce que. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a sur mon téléphone? Il n'y a rien. J'ai bien fait d'avancer en hauteur, mais est-ce qu'ils sont? Je pense qu'il n'y a personne en hauteur. Je peux remonter encore. Fait, il faut juste dévier quoi. Dévier les endroits. Et après, bah, une fois qu'on arrive sur place, bah, je vais traverser tout pour voir. Il n'y a pas de caméra, a priori. Ah. J'ai bien fait monter en hauteur. Hein. Pour bien trouver l'ordinateur, l'emplacement déjà. Pour savoir exactement où est-ce qu'elle est. Enfin, où est-ce qu'il est. À mon avis, ça doit être dans les l'un des locaux là. Mais comment y arriver? Déjà là, il est moins sécurisé. Faut que je passe par là. Ok. Il n'y a pas de passage. Si, il y a un passage. Je parie qu'il y en a qui arrivent sans problème. Là, je suis. Comme c'est la première fois, ben, je joue le discret. Ah, je peux. C'est mieux. C'est mieux sécurisé partout, hein. Il n'y a pas un endroit où c'est vide. Là, à mon avis, il y en a un en dessous. Si je passe par l'autre côté. Déjà, est-ce que on va me voir si je descends comme ça. Je vois pas celui qui regarde l'autre côté là. Ah si, c'est bon. Est-ce que je peux l'avoir avec le sniper? Bonne question. Parce que là, si je descends, je serai dans son champ de vision. Ah non, ils sont en bas. Ok. Ils sont en bas. Du coup, je peux avancer. Je vais faire un petit malin. Si je le descends, ça va faire quoi? Ça fait rien. Ok, en face. Allez, bouger ta tête, mon pote. Ça fait rien non plus. Ah, c'est ce que je voulais moi pour la première mission. Hop. Déjà, il y a moins en moins. Et celui qui est en face, est-ce qu'il a la vue vers lui? Je pense que oui. C'est fait exprès. Les deux, c'est pareil. Il y en a au fond. Celui-là, est-ce qu'il y avait quelqu'un? Non, il n'y a personne. Hop, je continue à avancer tout doucement. Et ici, je vois qu'il y a quelqu'un en dessous encore. Je pense que je dois le descendre un par un. Déjà, celui-là, ce serait bien. S'il bouge pas. Voilà. Non, non. Je suis repéré. Je suis repéré, obligé de. Déjà, j'ai déjà descendu pas mal. Allez, on continue. Ah, je peux pas courir là. Ah, je peux pas courir. Toi, t'es fini. Alors. Ah ouais, je croyais qu'il fallait être vraiment discret, être discret. Du coup, je peux descendre. Trouver l'endroit où il y a l'ordinateur. En fait, j'ai perdu le temps pour rien.
Parce que je croyais qu'il fallait vraiment être discret. Quand je serai dehors, ce sera pas pareil, je pense. Hein. Bon, allez. Est-ce que... Bah oui, je suis monté pour rien, en fait. Ah, il... Ah, il m'avait pas vu. Ouh, c'était chaud. Ah, il bug, là, ou quoi? Ça bug, là, ou quoi? Il me cherchait. Toi, t'es où, toi? Ils sont combien là? J'ai vu un et là il a disparu. Est-ce que je bug là? Ah ouais, ouais, ok, ok. En fait, depuis tout à l'heure, je pouvais appuyer sur R3, mais j'avais pas fait. Du coup, je peux courir maintenant. Ah ouais, c'était bête ça. Vas-y, je peux courir. Allez, vous êtes tous les mes poteaux. Ah, il réagit pas. Hein. Pourtant, je sais pas si je suis en mode facile là, mais. Ça a l'air facile en tout cas par rapport à mission d'habitude. Là je suis en solo. Il n'y a personne qui me donne un coup de main. C'est bon. Du coup il n'y a plus personne. Allez. En plus c'est mon entrepôt ça. Je braque mon propre entrepôt. Allez, on va trouver cet ordinateur. Il est là. Ok, on est sur place. Qu'est-ce que je dois faire? Pirater, ok, vous avez débrouillé les portes. Non, gars. Ok. Voler l'Arconos. L'Arconost. Ok, c'est ça l'Arconost. Ok, bah. C'était facile, hein. Vraiment, c'était facile, hein. Et je sais pas ce qui va se passer dehors, mais. Mais bon. On peut pas monter l'autre côté, non? Ah, c'est énorme. Évidemment, ils vont pousser. Je profite d'appeler Lester parce qu'on ne sait jamais, vu que je suis en mode libre. Ah, je peux même pas appeler Lester. Je vais monter au ciel, c'est mes les flics. Ah ben voilà, c'est bon. Franchement, j'ai pas galéré. Hein. Alors du coup, il faut que j'ai m'atterrir. Où est-ce que je dois m'atterrir? Allez, c'est une grosse avion quand même. Hein. C'est un gros avion. Ouais, j'imagine que je dois m'atterrir là-bas sur le point jaune. Concentration, concentration, suspense.
Allez, tourne-toi, tourne. En plus, c'est la nuit. Allez. On tourne. J'espère bien que c'est là qu'il faut atterrir, hein, parce que il n'y a pas de piste d'atterrissage, à moins qu'ils veulent que ça rentre dans le sous-marin. Mais je pense que non, hein. Je pense que là. Vas-y, tourne encore. Ah, je pense que j'ai raté la piste d'atterrissage. Non, je crois pas. Allez, il peut tourner. Ah non, mais oui, j'étais déjà sur la piste d'atterrissage en fait. J'y étais déjà. Mais non. Ah, j'ai loupé. C'était quoi ce lance-roquette là? Ah non, j'ai fait une gourde là. Allez, on tourne. Ah ouais, ok, bah il faut que je fasse encore un grand détour. Ok, c'est parti. Faut que je fasse un grand détour. Ah, ça se voit que je suis pas très 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 habile, hein, pour le pilotage, hein. Du coup, faut que je retourne encore. Ah ben là, je suis vraiment parti trop loin. Hein. Ça y est, j'ai retrouvé mon poids. Est-ce que j'ai mis les roues? Ah, ça se voit pas les roues là. Allez, on tourne. On tourne. Voilà, c'est quoi la requête là? C'est quelle requête là? C'est quelle requête? Allez, arrête-toi. Ouh, c'était chaud. Ah ouais, c'est un peu lourd là. Hein. C'est vraiment un peu lourd. Et puis j'ai une requête là qui est. Ah, mais il fait quoi là? Ah ouais! En fait, dès que j'ai pris Joystick Analog vers le haut, bah, il va monter direct. Allez, tourne. Tourne. Ah, enfin arrivé. 10 ans après, quoi. Réussi, c'était pas difficile comme mission, mais malheureusement. Enfin, malheureusement, j'ai galéré, quoi. Au final, pour l'atterrissage, j'ai dû me faire un aller-retour pour atterrir. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de cliquer sur like, de faire partager. Et toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis. Ciao, ciao!